Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un véritable tour du monde pour aller à la rencontre de figures féminines ultra badass. Des nanas qui n'hésitent pas une seule seconde à prendre tous les risques pour défendre leur peuple ou leurs convictions, de véritables guerrières qui relèguent la princesse Xena au rang d'un petit agneau tout mignon. Par avance, pardonnez-moi pour les prononciations, hein, vous savez que c'est pas mon fort. Allez, c'est parti. Tout à l'est de notre terre, là où le soleil se lève, se trouve un pays que l'on apprécie pour son poisson cru, son plombier à moustache, sa culture délicate et raffinée ainsi que sa tradition, le Japon. Alors je sais, hein, ça peut sembler un peu réducteur, mais c'est absolument pas le cas. Quand on parle culture et tradition au Japon, une figure prédominante frappe tout de suite notre imaginaire, celle du samouraï, ce légendaire guerrier qui a traversé les âges, maniant aussi bien le sabre que l'arc, sachant monter à cheval, sauter, rouler et mourir dans les bras de Tom Cruise. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le dernier samouraï, hein, alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur eux, bah n'hésitez pas à aller la voir à la fin de la vidéo. Pour tempérer mes propos, les samouraïs, ça nous vient surtout quand on pense aux mecs. Mais quand on pense aux femmes japonaises, l'image qui, elle, ressurgit tout de suite, c'est celle des fameuses geisha, élégantes, délicates et maîtrisant les arts dans bien des domaines. Globalement, comme partout ailleurs, l'image que l'on peut avoir de la société japonaise d'antan, celle des vieux livres qui sentent la poussière, c'est celle d'une société très masculine où l'art de la guerre est exclusivement pratiqué par les hommes. D'ailleurs, la plupart des samouraïs n'avaient pas une très grande estime de la femme dans les tâches qui dépassent le fait de s'occuper de la maison ou de faire des enfants. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Très tôt dans l'histoire japonaise, traditionnellement à partir du 2e siècle, on note l'apparition d'Onna Bugaisha, des guerrières samouraïs qui accompagnent les hommes au combat, voire les dirigent. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, les femmes n'étaient pas beaucoup sur le champ de bataille, hein, ça restait suffisamment rare pour être souligné, mais ça a existé, et une des plus célèbres Onna Bugaisha est sans doute Tomoe Gozen. Replongeons donc au cœur du 12e siècle, à la fin de la période Heian. Oui, parce que si nous on divise notre histoire en Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, eux, ils le font en période et ça marche très bien aussi. Ce qui caractérise l'histoire du Japon, comme celle de la France d'ailleurs, c'est la lutte pour le pouvoir. On y voit donc s'affronter des familles pour le contrôle de la cour impériale et donc du pays. En 1180, ça fait déjà pas mal d'années que les tensions sont vives entre le clan des Taira et le clan des Minamoto. Tous deux ont permis à l'empereur Go-Shirakawa d'accéder au trône et veulent leur part du gâteau. Mais progressivement, les Taira se mettent à dos l'empereur et son entourage qui veulent les évincer du pouvoir. Je vous passe tout un tas d'intrigues politiques complexes pour arriver au fait que cette année-là, l'empereur tente sa chance et se foire lamentablement, aboutissant à une guerre ouverte entre les deux camps, c'est la guerre civile de Genpei. Le prince Moshihito, un des fils de l'empereur, tente de mobiliser le clan Minamoto. Le chef de clan, Yoritomo, accepte d'envoyer ses troupes contre les Taira et parmi ses généraux se trouve son célèbre cousin, Yoshinaka. Célèbre parce que par la suite, on parlera beaucoup de lui dans des bouquins, même qu'on en fera une sorte de héros. Bref, ce qui m'intéresse ici, c'est pas vraiment ce type, mais plutôt sa femme, hein, Tomoe Gozen. On ne sait pas où elle est née, on ne sait pas où elle est morte, on ne sait pas d'où elle vient, et en tant qu'icône médiévale, son histoire a été écrite et réécrite de nombreuses fois, faisant de sa vie un véritable roman dont il est impossible de démêler les faits réels et les inventions fictionnelles. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est connue non seulement pour sa beauté et sa force, mais surtout pour ses talents d'archer et sa maîtrise de l'équitation. Une alliée de poids qui va convaincre Yoshinaka, son époux ou amant suivant les versions, de régulièrement la nommer à la tête d'une partie de ses troupes. Il est possible d'avoir une idée de son parcours militaire dans l'armée de Yoshinaka en suivant les vieux manuscrits et la célèbre œuvre littéraire Aike Monogatari. En juin 1181, elle fait ses débuts durant la bataille de Yokotagawara où elle met 7 cavaliers ennemis à terre. En 1183, elle est devenue l'un des principaux commandants de Yoshinaka et commande près de 1000 cavaliers avec lesquels elle remporte des batailles désespérées. Mais c'est surtout en 1184 que sa gloire est à son maximum. Elle se distingue à la bataille de Yoshide no Hama, où elle se bat contre 6000 cavaliers et arrive à s'en sortir, même si une grosse partie de ses effectifs ont fondu comme neige au soleil. À cette époque, Yoshinaka a un peu le cul entre deux chaises, et se bat également contre son propre clan, dont il veut prendre la tête. Tomoe s'engage alors au combat une dernière fois durant la bataille de Awazu, avant de rendre son armure. C'est durant cette bataille que meurt son amant Yoshinaka. Les sources ne sont pas claires, mais alors qu'il n'était plus que 5 cavaliers face à l'ennemi, Yoshinaka aurait demandé à Tomoe de partir. Et sur ce point précis de l'histoire, les historiens ne savent pas très bien pourquoi, puisqu'il existe plusieurs versions des faits qui diffèrent selon les textes. Soit par amour, car il avait peur pour elle, soit par souci de mémoire, voulant que quelqu'un s'échappe pour raconter son histoire, soit par jalousie, car celle que l'on dit égale à 1000 guerriers aurait pu obscurcir sa propre mort, soit par honte, de peur que l'ennemi associe sa défaite à celle d'une femme.
Quoi qu'il en soit, Yoshinaka meurt ce jour-là à Awazu, et tandis qu'un ennemi que l'on connaît sous le nom de Ushida Yeyoshi tente de capturer la jeune femme, celle-ci le transperce de sa lame avant de s'enfuir. La légende dit qu'on l'a aperçu quitter le champ de bataille en emportant la tête de son amour. Poétique, hein? Le résultat est là, Tomoe part donc et se voit privé de sa mort glorieuse au combat. Une mort importante pour les guerriers car elle fait partie intégrante de leur vie. Une belle injustice hein, pour celle que même ses ennemis considéraient comme une samouraï de très haut niveau. Le XVIe siècle est souvent marqué par l'exploration du Nouveau Monde et la conquête de nouveaux territoires à l'ouest de l'Europe. À croire qu'il n'existe que ça dans nos livres d'histoire. Hein. Et pourtant, une guerre commerciale sans merci fait rage de l'autre côté du globe. Les puissances occidentales renforcent les routes commerciales avec l'Asie du Sud, appelées à cette époque-là les Indes orientales, pour établir leur monopole et se positionnent économiquement dans la région. C'est dans ce but qu'est créée en 1600 la Compagnie britannique des Indes orientales, une entreprise dirigée par des actionnaires avec l'accord de la reine Elisabeth Ier qui a pour but de développer des comptoirs commerciaux un peu partout dans la région. Cette compagnie, elle dispose de sa propre armée et elle sera un instrument de choix dans les mains de l'Angleterre pour créer et étendre son célèbre empire colonial. Un des plus grands que l'histoire ait connu, qui regroupe près d'un quart de la population humaine de la Terre à son apogée. Tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle, la couronne britannique impose son pouvoir en Inde. Quand elle ne peut pas conquérir un nouveau territoire par le commerce, elle le fait par la force. Certaines parties du pays sont tout simplement annexées et passent sous domination britannique, tandis que d'autres sont placées sous tutelle. C'est ainsi que sont créés les États princiers d'Inde, une multitude de petites régions autonomes, mais inféodées au pouvoir de la couronne. En 1842, le Maharaja de la principauté de Jhansi, Gangadhar Rao, épouse une jeune femme d'une riche famille, Manu Karnika. Celle-ci devient donc une Rani, une reine, et se choisit un nouveau nom qui collera à sa fonction, Lakshmi Bai. Et retenez bien son nom, hein, parce que cette femme, c'est une véritable icône en Inde. En 1853, le couple, n'ayant eu qu'un enfant mort en bas âge, décide d'adopter un jeune homme de la famille Rao. La même année, le Raj meurt, laissant la régence de la principauté à Lakshmi. Seulement voilà, les Britanniques, nous l'avons évoqué, sont très agressifs dans leur méthode de colonisation. Si un Raj meurt sans héritier, la couronne est en droit d'annexer tout simplement le territoire pour qu'il passe totalement sous sa domination. Alors vous me direz, oui mais en l'occurrence, là ils ont adopté un fils. Et vous avez raison, hein, sauf que le gouverneur de la région, le général Dalhousie, bah pour lui, si c'est pas un héritier biologique, ça compte pas. Il décide donc d'écarter Lakshmi et son fils du pouvoir pour faire tomber le royaume sous sa coupe. Et ça, c'est une grave erreur, hein, puisqu'on s'attaque pas aussi facilement à une femme cultivée, pratiquant l'équitation et sachant manier les armes. Mais avant de foncer tête baissée dans la mêlée, on va poser un peu les choses. L'armée indienne britannique est composée à 80% de troupes indiennes et musulmanes. Ces troupes, elles sont appelées les Sipayes, et en 1857, une partie de ces Sipayes entre en conflit avec sa hiérarchie. En cause, des réformes de leur statut qui passent mal, comme la suppression de la retraite ou l'obligation d'aller faire la guerre sur des territoires d'outre-mer, ce qui remettrait en cause le statut de noble de certains qui, selon la tradition, le perdent s'ils naviguent sur la mer ou font trop de longs voyages. Mais aussi, une crainte d'une conversion massive au christianisme, ainsi que l'utilisation de graisse de porc ou de bœuf pour lubrifier les cartouches de leurs armes contenues dans des sachets qu'ils doivent arracher avec les dents. Deux animaux problématiques car ils refusent de consommer du porc et considèrent le bœuf comme sacré. Bref, ce mécontentement aboutit au déclenchement d'un soulèvement, la révolte des Sipayes, qui va enflammer plusieurs principautés et soulever une partie du peuple, parfois pour des raisons différentes, contre les Britanniques. Dans une bonne partie du pays, le pouvoir de la Compagnie britannique des Indes vacille, et c'est en plein cœur de cette révolution que Lakshmi, en 1858, lève une armée de 14 000 personnes pour tenir tête aux troupes britanniques qui marchent sur sa ville. Le 25 mars 1858, l'assaut est donné. Pendant près de deux semaines, les hommes et les femmes de Jhansi suivent leur leaduse qui prend la tête des combats. Mais un soir, les portes s'ouvrent, c'est la trahison qui vient à bout du siège. Les Britanniques s'engouffrent dans la ville et Lakshmi arrive in extremis à fuir la ville avec son fils adoptif en reliant en moins d'une journée la forteresse de Kalpi située à 150 km de là. Eh ouais, rien que ça. Bon, la légende veut quand même que son cheval soit mort de fatigue en arrivant. Hein. Faut pas déconner. Après s'être réunie avec plusieurs autres leaders de la rébellion comme Nana Sahib, une des grandes figures de ce soulèvement, elle participe à l'assaut de la forteresse de Gwalior le 17 juin 1858. Si la ville est facilement reprise, les Britanniques ne sont pas loin et la décision est prise d'aller à leur rencontre le 18 juin. Habillé comme un homme, Lakshmi prend la tête de ses troupes et tombe ce jour-là au combat. Deux jours plus tard, la rébellion est écrasée.
Un échec, bah pas tant que ça, hein, puisque la révolution a grandement déstabilisé le pouvoir des Britanniques, et la couronne retire toutes ses fonctions administratives à la Compagnie Britannique des Indes Orientales, amorçant de fait son déclin. Lakshmi, quant à elle, reste encore aujourd'hui un des symboles forts de l'opposition aux Britanniques et au colonialisme. Sa figure fera d'ailleurs l'objet de nombreuses récupérations politiques, érigeant la Raji de Jhansi au rang d'icône de l'indépendance. Une femme engagée, cultivée, guerrière, qui donna sa vie bien jeune pour demeurer longtemps dans l'esprit de son peuple. Au XIIIe siècle, ce qui était jadis le glorieux empire du Ghana s'effondre progressivement sous le poids des conflits internes, de l'expansion des berbères et de conditions climatiques particulièrement difficiles. L'empire se morcelle en plein de petits royaumes et les différentes ethnies qui fuient la région se regroupent pour en former de nouveaux. C'est le cas des Akan, originaires de l'ouest de l'Afrique, et plus particulièrement des Asanti, qui se réfugient dans les forêts de ce qui deviendra plus tard une partie du Ghana actuel. Pendant des siècles, ils commercent entre eux, développent l'activité minière de la région et bien évidemment se font la guerre de temps en temps. En 1670, le clan Oyoko, dirigé par un certain Osei Tutu, prend l'ascendant sur ses adversaires. Il unifie les clans, c'est le début de l'Empire Ashanti. Et ça, vous l'avez pas chanté venir, hein. L'Empire Ashanti se centralise autour de la figure de l'empereur et se développe vite et bien, notamment grâce au commerce de l'or, mais aussi à partir du commerce triangulaire. Et oui, car si les Européens construisent des comptoirs et des ports sur les côtes, ils nouent aussi des relations avec les États africains ou les tribus locales pour se fournir en esclaves. Ces esclaves, ce sont souvent des prisonniers de guerre, des peuples vaincus militairement, des populations enlevées, des condamnés, des types qui n'ont pas de chance parce que leur famille avait des dettes et qu'ils ont choisi pour être vendus avant de les rembourser. Enfin, tous les trucs joyeux autour de l'esclavage quoi. D'ailleurs j'avais fait un double épisode sur cette question de l'esclavage, donc je vous le mets en description. Bref, l'Empire Ashanti se porte très bien, jusqu'à ce que les Britanniques viennent mettre leur nez là-dedans. Encore eux. Au 19e siècle, l'Empire britannique développe ses colonies et ses relations commerciales à travers le monde. Les Fanti, ennemis des Ashanti, demandent alors l'aide des mangeurs de pudding pour renforcer leur position dans la région. Ce que les Britanniques font avec plaisir, vous l'imaginez bien. En 1923, c'est donc la première guerre anglo-ashanti, un conflit qui s'étale sur tout le reste du siècle, remettant en cause l'indépendance même de l'Empire Ashanti. Des conflits avec des hauts et des bas pour les guerriers africains, voyant en 1874 leur capitale, Kumasi, partir littéralement en fumée. En 1896, un coup quasi fatal est porté à l'Empire par les Britanniques. Sir Francis Scott capture une grosse partie de la cour impériale, dont l'empereur lui-même, et les fait déporter aux Seychelles. Alors pourquoi je dis quasi fatal? Eh bien parce que ce n'est pas totalement la fin de l'Empire Ashanti à ce moment-là, et une figure historique du Ghana, la reine Yaa Ashantewa, va tenter le tout pour le tout afin de libérer son peuple. Il est venu le temps de l'affrontement final, c'est la guerre du tabouret d'or. Je sais, le nom vend pas spécialement du rêve, pas plus que la guerre du bidet cuivré ou du transat d'argent, mais ça reste important. Et en fait, vous l'aurez compris, ce tabouret est un trône, symbole absolu de la puissance de l'Empire Ashanti. C'est pour ça aussi qu'on appelle cette guerre la guerre du trône d'or, ce qui est quand même déjà beaucoup plus stylé. Après la déportation d'une bonne partie de la cour Ashanti, donc, les Britanniques revendiquent le trône d'or pour asseoir définitivement leur pouvoir sur la région. Et la plupart des chefs de clan Ashanti, on va pas se mentir, sont un peu démoralisés par leur défaite. Yaa Ashantewa, c'est la reine d'un des districts de l'Empire, et à ce titre, elle se réunit avec les autres chefs de clan pour définir la ligne de conduite à adopter face à l'envahisseur. À cet instant, vous vous demandez peut-être ce que vient faire une femme à la tête d'un district. Eh bien sachez-le, les femmes chez les Ashanti ne sont pas vraiment reléguées au second plan. En fait, elles participent activement à la vie de la société, et tous les postes administratifs sont doublés. C'est-à-dire que pour chaque poste tenu par un homme pour diriger des hommes, il y avait le même poste tenu par une femme pour diriger les femmes. Bon, faut être honnête quand même, c'était pas non plus la parité, et pour le coup, Yaa Ashantewa a clairement fait référence dans le genre figure émancipatrice. Quand les chefs de clan hésitent à prendre les armes pour aller libérer leur chef bien-aimé, Yaa Ashantewa n'y va pas par quatre chemins, Elle fait un grand discours en leur disant de manière très très résumée, si vous les hommes vous houchez dans votre froc pour aller mettre votre vie en danger et sauver l'Empire, bah nous les femmes, on le fera. Alors taillot. Et c'est ainsi qu'en 1900, elle fédère les rebelles et dirige la dernière guerre des Ashanti contre les Britanniques. Elle lève une armée de près de 5000 guerriers, fait de sa ville natale Ejisu son siège, et mène des raids contre l'ennemi pendant près de 11 mois. Le coup d'éclat de cette guerre restant le siège par Yaa Ashantewa du fort de Kumasi, la capitale de l'Empire. Après plusieurs mois de lutte, le gouverneur de la région envoie plusieurs milliers d'hommes pour libérer le fort, et malheureusement pour la reine, il y parvient. Elle sera capturée avec les autres principaux instigateurs de la rébellion, et sera à son tour déportée vers les Seychelles. Résultat, l'Empire Ashanti s'écroule en 1902, et le territoire passe directement sous le commandement britannique, en étant intégré à sa colonie de la Côte d'Or.
Mais aujourd'hui, au Ghana, tout le monde se souvient encore de l'histoire de Yaasantewa, une femme qui a su se dresser contre l'envahisseur, mobiliser hommes et femmes et prendre la tête des forces armées pour libérer son peuple. Finalement, c'est un peu la Jeanne d'Arc du Ghana, hein. Et d'ailleurs, sa figure est, au même titre que Jeanne d'Arc chez les Français ou Lakshmi Bai chez les Indiens, utilisée régulièrement par les politiciens afin de justifier une ligne idéologique ou de se revendiquer d'une certaine histoire rebelle à contre-courant, une histoire du peuple et de l'émancipation, bref, une histoire et donc une politique qui bouge et qui agit. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'ai encore largement assez de matière pour faire d'autres épisodes sur les femmes badass, hein, clairement, mais n'hésitez pas, vous, à me faire vos suggestions en commentaire, je les lirai avec plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir l'émission de différentes manières, alors sur le site Tipeee ou sur le site Utip, donc vous pouvez aider comme ça si vous avez des sous à financer directement l'émission, ou si vous n'avez pas de sous sur Utip, eh bien vous pouvez regarder quelques pubs qui rémunèrent beaucoup, mais alors beaucoup plus que sur YouTube. Sinon, bah, si vous n'avez pas de sous, que vous voulez pas regarder des pubs, vous pouvez toujours mettre un petit pouce vers le haut, partager l'épisode, ça reste le meilleur moyen pour soutenir mon boulot. Merci à tous ceux hein, qui soutiennent cette émission, merci à vous tous qui la regardez et qui la font vivre. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut.